vous, je pense que de là où il est, Guy est excessivement fier de ce que vous avez fait pour lui et de ce que vous faites depuis le début. Merci encore. Alors, je vais vous expliquer comment les choses... Non, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Je vais appeler à mes côtés celui qui est chargé avec moi de gérer... Ce beau moment d'introduction à l'italienne, cet appel à célébrer Guilhomé, qui est encore de ce nom, tu l'as rappelé, décédé le 16 mars dernier. Guilhomé qui ne partira jamais, car son œuvre est éternelle. Chacun d'entre vous en venant ici certainement à écouter du Guilhomé en résonance, chacun d'entre vous a écouté du Guilhomé dans sa voiture, chacun d'entre vous a écouté du Guilhomé en le fredonnant, en le chantonnant, en le sifflant sous sa douche. Et je vais tout simplement demander une fois de plus, Tintin l'a rappelé tout à l'heure, généralement quand il y a des obsèques, des cérémonies funèbres, en Afrique, au Cameroun notamment, il y a aussi des dissensions, il y a aussi des choses qui ne se passent pas bien. Mais ici, ce soir, on a reçu un message qui nous a fait chaud au cœur, c'est celui de la famille, et je demande encore à ces Camerounais de France d'applaudir pour eux-mêmes, parce que depuis le début de la préparation de cette double cérémonie qui a commencé le samedi 11 avril avec cette messe solennelle, tout en relief avec justement ces artistes en pléiade, en enfilade, qui nous ont donné toute la dimension du personnage exceptionnel qui était Guilhomé. Mesdames, Messieurs, nous allons ce soir articuler notre soirée autour de quatre thèmes. Guilhomé est un personnage d'élite. Guilhomé, comme nous l'avons dit, mérite des hommages de la nation camerounaise. Quand on commence une carrière en 1984-85, on passe plus de 30 années de sa vie à faire danser toute l'Afrique, quand on passe plus de 3 décennies à traverser les ponts, à établir des passerelles entre le Cameroun et les Antilles, cet aller-retour entre ceux qui sont partis depuis Bimbia au Cameroun, vous savez que le Cameroun abrite un des postes de départ de l'esclavage sous les Portugais, quand on opère ce retour à travers les sonorités que vous allez entendre tout à l'heure, les sonorités du Zouk, cette expression de la passerelle qu'a établie Guilhomé avec le monde. Nous allons commencer par la vie, la trajectoire et l'œuvre de Guilhomé, mais aussi les passions musicales de Guilhomé, parce que Guilhomé, parmi ses pères, avait non seulement ses préférés, mais des gens qui l'inspiraient et qui l'aimaient écouter. Le deuxième temps fort, autant pour moi, sera consacré au retour aux sources. Guilhomé vient d'une partie du Cameroun, l'ère Sawa, l'ère culturelle Sawa, celui de la côte. Il vient d'un lieu emblématique de l'histoire du Cameroun, l'histoire culturelle, religieuse et politique, qui s'appelle Daido. Ils se reconnaîtront parmi nous, ces hommes qui sont reconnus par leur caractère, leur force de caractère. Et c'était un bonhomme comme ça, en acier, qui ne mâchait pas ses mots, comme on dit, que s'agit du droit de cœur. Merci, qu'il s'agisse du droit de faire au Cameroun ou d'autres sujets concernant les artistes. Donc, dans le retour aux sources, vous allez voir des personnages emblématiques de notre culture venir célébrer Guilhomé comme on le fait dans le pays Sawa ou ailleurs au Cameroun. Comme on l'a vu la dernière fois avec ces balafons qui ont teinté pour célébrer et chanter Guilhomé. Et en troisième phase, dans le troisième temps, nous allons ouvrir, nous allons faire l'ouverture et les voyages, puisque Guilhomé, effectivement, j'ai parlé de parcelles et de fonds, était un homme qui écoutait le monde, qui faisait résonner le monde dans le Maroussa à travers ses propres compositions. Et en quatrième, nous allons avoir un bouquet final avec beaucoup d'artistes qui seront ici à cet endroit pour chanter en farandole Guilhomé. Je vous prie, mesdames, messieurs, encore une fois de plus, il est touché à Yaoundé, mais il est présent parmi nous, d'applaudir Serge Guilhomé.